Salut! Alors aujourd'hui dans cette vidéo consacrée à Restroom Racing Experience, pas mal de nouveautés, pas moins de 4 voitures, un pack Porsche avec 3 Porsche hein, que je vais vous montrer tout à l'heure, et une GT3, la McLaren 720S GT3. On va aller voir sur internet ce que nous réserve cette mise à jour, ensuite on verra ces voitures dans le jeu, et je ferai pour commencer une petite course avec la McLaren 720S GT3. Alors, voilà donc, c'est Speedy25 sur le forum et référaux qui nous a fait la traduction de ce changelog, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, nouveau contenu, Porsche Pack 2023 avec la grille officielle de la Porsche Cup Germany 2023, la Porsche 911 GT3 Cup, puis la Porsche 911 GT3 R, et une vieille Porsche, la Porsche 944 Turbo Cup et la McLaren 720S GT3. Simulation améliorée de la zone de contact des pneus, désormais affectée par les forces longitudinales, ça se traduira par plus de traînée pneumatique au freinage et donc une sensation plus serrée en FFB au freinage. Oui, bon, j'ai pas trop ressenti, un petit peu, oui, c'est vrai. Simulation améliorée du contrôle des actions, en conséquence, nous avons également ajouté de nouvelles options de configuration de la voiture pour contrôler le patinage autorisé des pneus avant l'activation du contrôle de traction. Certaines modifications des paramètres par défaut seront bientôt intégrées dans un correctif. Bon. Simulation améliorée de l'ABS, ajoute d'un effet sonore pour cela aussi. Certaines voitures pourraient encore manquer le son, celle-ci sur bientôt un correctif, d'accord. Bon, HUD, contrôleur, profil par défaut de T218, serveur dédié, usure, ouais, bon, ensuite, réglage des différentiels amélioré, groupe C, voiture P1, P2. Suppression de la réaction de diverses voitures qui n'auraient pas dû l'avoir. Bon, ouais. Bon, mais c'est bien. Hein, on va aller voir ça dans le jeu. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, je me ferai une petite course avec la première de ces voitures, la McLaren 720S GT3. Alors, une fois dans les voitures, bon, on va commencer par ça. GTR3, suivant. C'est par ordre alphabétique. Là, voilà. La 720S GT3. Hein, il y a plein de skins, comme d'habitude. Bon, il n'y a pas de showroom, donc on ne peut pas les voir autrement. Ensuite, j'ai dit revenir, voilà, Porsche. Je cherche un peu. Porsche 2019 Carrera Cup, 944 Turbo Cup. Oh putain, ce skin. Non, reviens. Il est dément ce skin avec les fleurs. D'accord. Ensuite, il y a quoi aussi, la 992. Elle est là. 992 GT3 Cup. La voilà, c'est la dernière. Et j'ai aussi deux autres Porsche, là, la Cup, 200 Cup 2023, la voilà, la Carrera Cup de Deutschland 2023, et il y en a une autre, je crois que c'est celle-là, 991.2, non, je n'en suis pas sûr, on s'y perd avec toutes ces 911, il faut dire, hein. Bon, bref, on verra ça lors des prochaines vidéos. Moi, pour l'instant, je vous l'ai dit, je vais faire une petite course sur le circuit de Motorland d'Aragon en Espagne avec la McLaren 720S GT3. Allez, comme d'habitude en GT, le départ se fait lancer. On va partir pour 10 tours donc de ce circuit de Motorland d'Aragon. La version motorcycle, ouais, j'aime pas la version Grand Prix avec cette épingle super serrée et cette espèce de chicane de la ligne droite, j'aime pas. Là il y a un grand gauche, je préfère beaucoup mieux. Je préfère beaucoup mieux ça, si, quoi. Je préfère, bref. Et donc à bord de cette McLaren 720S GT3, allez, c'est parti. Un peu poussé avec sa BM. Après, il faut dire que les IA, toutes simul confondues, ils freinent vraiment comme des patates. Là, ils sont à 100%. Dès que je peux, je mets à 100%. Hein. Quand ils me larguent pas trop. Et moi, j'ai pas un super niveau, je suis très moyen. Hop, allez, cutting track, allons-y. Thank you.
Et je suis pas un gros freineur, mais alors eux, alors ils freinent vraiment comme des patates. Bon, évidemment, comme c'est une GT, petit patinage, ABS, donc on peut appuyer comme une butte sur la pédale de frein, ça gêne pas. Et j'en préfère seconde gauche rapide, j'aime bien. ABS anti-patinage, je vous l'ai dit, oui, cutting track, je sais. On pourra accélérer comme des brutes. Là, ils vont freiner comme des patates. Comme d'habitude. Je m'en fais encore un, comme je suis 7ème. Champignon rouge, là, vous avez eu le petit truc rouge, le petit peu rouge en béton. Il y a embrouille devant, je l'ai vu. Heureusement que je l'ai vu. Ah, une place gratuite. Ah, le petit champignon rouge. Ah, il faut surtout pas le prendre, hein. Surtout pas monter dessus. J'ai eu le temps de le toucher, le tort de le toucher. Quand j'ai essayé la voiture tout seul, j'ai fait un bond de 2 mètres en l'air et ça m'a pété la suspension. Donc, le petit champignon rouge. Si vous pouvez l'éviter, évitez-le. Allez, 6ème. Elle est très sympa, cette McLaren. Très neutre. Très peu sous-vireuse, pas du tout même, et pas du tout sur-vireuse. Elle glisse un peu au freinage en appui, mais il faut vraiment insister, c'est pas non plus énorme. Et à la limite, elle est un peu, elle passe plutôt inaperçue parce que je la trouve un peu fade, un peu insipide. Bon, allez, c'est une bonne auto, hein, mais voilà, quand on compare par exemple avec la. Avec celle d'Assetto Corsa Competizione qui est juste extraordinaire, qui est rageuse et tout, qui donne envie d'attaquer, celle-là, moins. Puis le bruit, l'impression d'avoir un... c'est vraiment léger, l'impression d'avoir une voiture de série entre les mains. Pourtant le bruit, c'est un des points forts, hein, le son, c'est un des points forts de Restroom, hein. Ben là non, hein. Et le petit champignon rouge là, je m'en méfie comme de la peste. Non, je suis passé. Je suis passé. C'est fini pour toi. Oh, qu'est-ce qu'il freine mou. Alors moi, je suis pas un gros freineur. Hein. Alors. Les IA, ils freinent vraiment comme des patates. Et je lui tente là le dive bomb. Non, il s'est pas laissé faire. Attention, elle est à l'intérieur. Ah, mais je suis mieux sorti que lui. J'ai un peu glissé à l'entrée. Allez, quatrième, pied du podium. Ah, il freine, c'est vrai qu'il freine vraiment. Il freine vraiment comme des patates. Hein.
C'est juste pour lui montrer que je suis là. En tant que de vrai joueur, je ne le fais pas. Dans la mesure du possible, j'essaye de ne pas le faire. Et contre les IA, je m'en fous un peu. Oh, mais tu vas me lâcher. Avec ton Audi. Voilà. Alors. Ça suffit maintenant. On va pas lâcher. Hein. Ah, il en a pas marre. Ah, il est à l'intérieur. Ah, il est là. Hein. Ah, je suis obligé de prendre large, et ouais. Parce qu'il est à l'intérieur. Je le bloque un peu. Oh, les champignons rouges, c'est bon, je ne vais pas te toucher. Allez, pour l'instant, troisième. Je suis combien dans le quatrième tour, encore six tours. Se laisse pas faire, ça frotte un peu, hein. Large. Il m'a repassé avec sa Nissan. Ouh, trop à l'intérieur. Et oui, je voyais plus le point de corde. À cause de sa grosse Nissan au milieu. Les deux premiers, hein, ils rigolent pas. Hein. Ils sont pas simples. Hein. Ouais, elle glisse un peu à l'entrée de cette courbe. Au freinage, c'est marrant. Ça n'a rien passé. J'ai vu quelque chose. Ils sont pas laissés faire au freinage. Hein. Qu'est-ce que je vous dis? J'étais à l'intérieur pourtant. Hein. Bon, bref, allez. Je vous ai dit, contre des joueurs normaux, contre des vrais joueurs, je ne le fais pas. Là, j'ai voulu tenter ma chance. Bon, ça a marché, mais bon. J'aurais dû être pénalisé pour avoir créé un accident. Mais bon, c'est vrai qu'ils regardent pas beaucoup eux non plus. Hein. Mais je m'en sors bien. Hein. Ouh, j'ai pris large, j'ai pris large. Ouh, ouais, cutting track. Allez, j'ai une corvette. Ah, il m'a doublé. Hein.
Elles sont dures, hein, quand même. Voilà. Non, 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 non. Laisse-moi tranquille. Leave me alone. Passe plus vite que moi là. Ah, je me loupe, je me loupe. Ah, là aussi. Voilà. Je suis tout seul. Ils vont plus me gêner pour le freinage là, déjà. Voilà. Gagner un temps considérable là. Et j'ai gagné 8 dixièmes par rapport à mon meilleur temps. Oh, cutting track! J'avais une seconde d'avance sur mon meilleur tour. Dès que tu mords de 2 cm de trop en dehors des lignes blanches, comme la F1 là, ça plaisante pas. Hein. Allez, cutting track.
Allez, avant-dernier tour. On va essayer de faire un dernier tour propre. Oh là là, je m'y prends quand même. Ah, il est derrière, il va repasser, hein. Il va repasser. Ah putain. Faire la misère au freinage. Ah putain, je prends trop large. Chaque fois là, il me gêne, ils font perdre du temps. Ah putain. Ah non, j'ai cassé le moteur. Ah oui, cassé le moteur. Bon, c'est pas grave, allez. On va s'arrêter là. Il m'a énervé. Voilà. Il m'a énervé en engine, ouais. Dans le rouge, c'est fini. Allez. Donc, non, c'est une bonne auto, hein. Bon, c'est moi qui fais le con. C'est moi qui fais le débile. Mais c'est une bonne auto, hein. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Un peu insipide, un peu fade, je vous l'ai dit, un peu trop neutre à mon goût. Ça mériterait un peu plus de peps, un peu plus de fantaisie, mais c'est quand même une bonne auto. Bon, après, ce que je fais là, moi, hein, prenez pas exemple sur moi, hein, c'est un mauvais exemple. Bon, après, dans le dernier tour, ils m'énervent. Parce qu'ils sont lents dans cet endroit-là, alors que moi, je passe 5 dixièmes plus vite qu'eux. Et du coup, je le pousse, ça m'en va dehors et je passe au moteur. Bon, c'est pas grave, mais c'est une bonne auto. Comme d'habitude avec Grassroom, même s'il manque quand même encore un peu de sensation au freinage, et ça, il y en a beaucoup qui le disent. D'autres ne s'en plaignent pas, certains s'en plaignent. Moi, je suis fait partie de ceux qui s'en plaignent, mais on fait avec. Voilà, si vous aimez cette vidéo, partagez-la, commentez-la, et si vous voulez me soutenir et que vous avez du matériel Fanatec commandé, utilisez le lien dans la description de la vidéo et profitez-en aussi pour visiter mes autres partenaires. Ciao!